Historiquement, est au Mondial depuis l'an 2000. Donc tous les deux ans, nous avons eu donc un stand où à chaque fois, on a présenté différentes innovations pour permettre justement à nos clients d'utiliser de manière simple leur téléphone dans la voiture. Donc cette année, on a souhaité montrer justement qu'avec des produits et des services d'Orange, on pouvait rendre n'importe quelle voiture connectée. On va commencer par cette voiture, donc cette Coccinelle des années 70. Qui illustre parfaitement le fait qu'on peut rendre donc avec nos produits ou nos services n'importe quelle voiture connectée. Donc, c'est un véhicule qu'on a équipé de différents produits, donc un domino, une tablette, un smartphone. Voilà, c'est l'idée est de montrer qu'il n'est pas utile d'avoir forcément un véhicule 2014 pour avoir un véhicule connecté. Ensuite, on a également notre concept car, qui s'appelle Grand Prix. Qui a été élaboré en partenariat avec l'école Esperas Barro, que nous avons voulu très high-tech et qui est également un petit clin d'œil aussi au véhicule des années 30. Et puis, également pour illustrer notre partenariat avec Peugeot, nous avons la nouvelle Peugeot 108 sur le stand qui est notre gros lot pour le concours. Sa particularité, c'est qu'elle est équipée de la technologie Mirror Screen qui permet justement de brancher son smartphone dans la voiture et d'avoir le déploiement des applications directement sur l'autoradio. Faurecia s'est effectivement associé pour ce salon à Orange pour pouvoir présenter un de ses démonstrateurs afin d'illustrer son savoir-faire en termes de matériaux et en termes de connectivité. Ce démonstrateur appelé Performance 2.0 est là pour effectivement montrer un petit peu notre savoir-faire en termes de, au niveau des différentes technologies, d'habillage de planches de bord avec de l'aluminium, des grandes surfaces de bois, la décoration intérieure par de l'éclairage personnalisé et puis toute une connectivité avec l'utilisateur par l'intermédiaire de son téléphone. Donc l'utilisateur, équipé de son smartphone qui est sa clé de contact, va effectivement le mettre en place dans le véhicule, celui-ci va le reconnaître et va ajuster les réglages qu'il aura définis au préalable. Il aura une personnalisation de la vision tête haute, il aura une personnalisation de son éclairage intérieur, et il aura une personnalisation aussi de son écran d'accueil avec ses musiques, avec toutes ses préférences, ses contacts pour appeler, pour notamment utiliser correctement toutes les données. Il aura aussi la possibilité d'avoir une fonction Mirror Link qui va permettre de reproduire l'écran de son téléphone sur l'écran d'accueil de l'habitacle et avoir accès à toutes ses applications.